welcome you once again to the Monday Live Service here at the Synagogue Church of All Nations, Lagos, Nigeria. As you watch God's power, trust Him that He will not disappoint you. That healing will happen, that breakthrough will happen, that blessing will happen. Because God is not a man that lies. He remains faithful, even though we are undeserving. Remember, in mercy, you're not excluded. Have faith in God. Even when everything around you seems to be unquiet, even though when everything around you seems to be to suggest otherwise, have faith in God that He's able to do it. Knowing fully well that broken pieces are the ones that become useful in God's hands. So therefore, viewers all over the world, look up to the cross when the price was fully paid for this blessing that you desire, for this miracle that you desire. Continue to watch your screen. Continue to watch your screen. You are watching the Monday Live broadcast coming to you from the Synagogue Church of All Nations, Lagos, Nigeria. God's power working through His word by His spirit that brings about healing, deliverance you're witnessing right now. You can see God Almighty using the faculty of the wise men to restore people back to their original position in Christ Jesus. You can see how God Almighty dispersed every shade of darkness in the life of the people. Watch your screen, viewers around the world want you to act faith, because faith is the root towards God. Continue to watch your screen. C'est de nouveau jour en Jésus-Christ. Rappelez-vous que lorsque nous sommes dans sa présence, la délivrance, la guérison et toutes les bénédictions qu'il a prévues pour ses enfants sont comme des laits que nous respirons. Alors c'est un nouveau jour en Jésus-Christ. Nous sommes ici en direct des Maïs Télévision. C'est de nouveau jour de service prophétique et délivrance avec nos hommes sages. Nous le voyons déjà dans la congrégation. Télévisateurs, l'onction du Saint-Esprit de façon spéciale être manifestée à travers les facultés qui nous ont été données par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons déjà cette présence tangible être manifestée par la puissance de l'Esprit. Alors, téléspectateurs, restez simplement connectés avec nous. Comme vous regardez votre petit écran, nous voyons les hommes sages imposer les mains. Nous voyons la délivrance prendre place par la puissance du nom de Jésus-Christ, parce que tout genou fléchit en ce nom. Alors, où que vous soyez, téléspectateurs, c'est un nouveau jour. Sachez que votre cœur n'échappera pas à l'onction de Dieu, tel que la Bible dit qu'il a prévu tout à la croix du calvaire pour le rachat de l'humanité. Restez connectés avec nous. Que los televidentes, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo de la Sinagoga Iglesia de todas las naciones. En Lagos, Nigeria. En este momento los hombres sabios se están moviendo dentro de la congregación en oración, como un canal de luz en donde hay oscuridad, con un canal de libertad donde hay yugo y opresión, como un canal de sanidad en donde hay enfermedad. Recuerde que vamos a activar nuestra fe, aunque seamos inmerecedores de esa misma, para recibir en este momento libertad, sanidad y redención. Recuerde que la fe es la confidencia de todo lo que Dios tiene prometido para nosotros. Recuerde que nuestra oración no es correcta si no emerge de fe. Actúe su fe. Recuerde que fe es una fuerza espiritual que nunca obra sola, sino en concierto con otras fuerzas espirituales. Manténgase en actitud de fe, espíritu y verdad, ya que Él es espíritu y verdad y el camino a la verdad y la vida. Su nombre es Jesucristo. Continuamos. Continue to watch your screen. Viewers around the world, this is the moment you have been waiting for. Moment of healing, moment of deliverance, moment of salvation. When you believe in our Lord and Savior Jesus Christ today, your life will never remain the same. Today is your encounter with our Lord and Savior Jesus Christ. Continue to watch. To the screen. Viewers, continue to watch the screen of your television. Remember, the Bible says, by the anointing, Jesus breaks the yoke. Wherever you are, anywhere you are all over the world, believe God's power to break the yoke of poverty, the yoke of sickness in your life today in Jesus' name. Remember, it is God's word working through His Spirit that is bringing about the deliverance you're watching on your screen right now. Continue to watch the screen of your television. Oui, téléspectateurs, regardez votre écran. Nous voyons les œuvres maléfiques être exposées à la mention du nom de Jésus-Christ. Dès que nous révèle le livre de Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle a habité parmi les hommes, et nous avons contemplé la gloire, et s'est fait chair. Alors cette parole, téléspectateurs, n'est nulle autre que la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu pour le rachat de l'humanité. Nous témoignons cette présence tangible, ici manifestée, à travers nos hommes sages, tel que nous révèle la Bible au temps des apôtres.
révélant que l'âge des miracles ne s'est pas limité au temps des apôtres, mais encore réel aujourd'hui, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Nous voyons cette parole agir à travers nos hommes sages, les vies être délivrées par la puissance de l'Esprit, nous voyons l'onction de Dieu les déconnectant de tout problème et affliction. Alors, simplement restez connectés avec nous, qu'on vous témoigne sa présence. Viewers, as you watch God's power, trust Him. Remember, the Bible says that our Lord Jesus Christ is faithful and He has power to bring about healing, deliverance. Continue to watch the screen of your television. See how God Almighty is using the faculties of the wise men to set the people free from their bondages. Jésus-Christ en action, délaissateur les œuvres maléfiques, être commandé, expulsé, parce qu'il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, et la punition qui dans la paix est tombée sur lui, et par ses maîtres cieux, nous sommes guéris. Alors, délaissateur, sachez que la mort de Jésus-Christ à la croix a rendu disponible la bénédiction, la guérison. Alors, il n'est plus nécessaire que vous souffrez des afflictions et des problèmes, des chagrins, parce que le prix a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, il n'a pas changé, il n'a jamais dit au revoir, parce qu'il est la réponse à tous les issues fondamentales de la vie. Restez connectés avec nous. Viewers all over the world, you're witnessing the real, authentic and forceful power of God that cannot be limited by space and time. Remember, anointing does not work through plans, methods or machinery. It works through suitable men of God, as you can see on the screen right now, where God Almighty is in the faculty of the wise men. As a channel of light, where there is darkness in the life of the people. As a channel of healing, whether it's sickness in the life of the people. Anywhere you are, that you're not here in person does not mean you cannot be healed. Just touch the screen of a television and believe that your situation will never escape the anointing of God today in Jesus' name. Viewers, as you watch, believe in your freedom. Your redemption is a fact. Act on your liberty. Your full pardon has been granted. Your prison is open. Your bondage is past. What God says is yours, is yours. Believe it, act on it, and confess it. The Bible assures us that the name Jesus Christ gives access to all of heaven's blessings. As you watch the wise men using your authority in the name Jesus to put a permanent stop to the common calamities in the lives of the people, believe that yours will happen anywhere you are. Nous voyons la manifestation des maléfiques, l'onction du Saint-Esprit, les déconnectant de tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, lui le maître de l'univers, celui qui a vaincu le monde. Rappelez-vous qu'il nous a délivrés des œuvres des ténèbres et nous a ramenés dans son admirable lumière, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Oui, téléspectateurs, sachez que ce que vous témoignez ici, en direct et de télévision, n'est pas un mirage, mais simplement une confirmation que les écrits sont vrais et demeurent dans nos cœurs. À la seule condition de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Sachez que Jésus-Christ est venu pour nous racheter de toute malédiction. Il est venu nous sortir de toute détresse, nous délivrer des puissances des ténèbres. Alors, où que vous soyez, téléspectateur, faites simplement de lui votre Seigneur et Sauveur personnel et votre vie ne sera plus la même. Nous voyons cette onction, cette présence est tangible, la présence du Saint-Esprit agir à travers les hommes sages. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont simplement puissantes par la vertu de l'esprit pour renverser les forteresses, les dominations et amener toute pensée captive à l'obéissance du Jésus-Christ. Oui, téléspectateurs, c'est un nouveau jour en Jésus-Christ, un nouveau jour dans sa présence. Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, la délivrance est comme de l'air que nous respirons, la bénédiction est comme de l'air que nous respirons, et la guérison est comme de l'air que nous respirons. Pour que vous soyez restés simplement connectés avec nous à ces fréquences célestes. Experiencing, begin to believe God's word and believe that it will come to pass, because a Christian life comes from Christ, the author and finisher of our faith. Jesus was a soul winner. That is what he came for, to save sinners. That is what he lived for, died and rose again for. That is what he sent back the Holy Spirit to his followers to make them effective soul winners. As you watch, believe God's power to bring that healing to your life. To watch the screen of your television,
as you watch God's power. What is your need? Is it healing? Is it deliverance? Is it blessing? Remember, the name Jesus Christ is greater than your need. The name Jesus Christ, within that name is the access to all of God's blessings. And at the mention of the name Jesus Christ, every knee shall bow. Continue to watch the screen of your television. See what is happening as the wise men are touching the people in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. The Bible says, at the mention of the name Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that truly our Lord and Savior Jesus Christ is Lord. As you watch, viewers all over the world, continue to believe in your heart that anywhere you are, you too can receive your deliverance. You too can receive your healing, and blessing also can be yours wherever you are. Continue to watch your screen. The gospel grace of our Lord and Savior Jesus Christ is His power to heal, to save, and to deliver. And that is what you are witnessing right now. Viewers around the world, you too can be a partaker of what is happening now. All power in heaven and on earth has been invested in that name, Jesus Christ. Continue to watch. Remember, believing is our connection. Continue to believe. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la réponse à tous les défis fondamentaux de la vie. Nous voyons toujours nos hommes sages, regardez votre compte, les souhaiteurs. Nos hommes sages sont toujours dans la congrégation. Nous voyons le nom de Jésus-Christ ouvrant par l'Esprit. Nous voyons cette puissance du Saint-Esprit exposer les œuvres maléfiques dans la vie de ces personnes venues de par le monde. Regardez votre compte, les souhaiteurs, nous voyons réagir face à l'onction du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ est venu proclamer la délivrance aux captifs. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Sachez qu'il équipe encore ses disciples afin de détruire les œuvres maléfiques. Sa volonté est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Oui, téléspectateurs, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, sachez qu'il est venu pour vous sortir de toute détresse parce qu'il a versé son sang pour ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans la détresse. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun problème qu'il ne peut résoudre, aucune situation qu'il ne peut changer. Où que vous soyez, téléspectateurs, ou que vous le regardez, alors simplement faites confiance en son amour manifesté à la croix de Golgotha par son sang précieux, parce que Dieu l'a donné en rançon pour le rachat de l'humanité. Ou que vous soyez, mettez simplement vos mains sur votre petit écran et confessez votre liberté, votre délivrance, votre bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ et marchez en nouveauté de vie dans le nom de Jésus-Christ. Viewers, continue to watch the screen of your television. And remember that two believers are better than one. As you watch the screen of your television, you should also stand in prayer. Along with the wise men, continue to commit your problems into God's hands and will put His peace in your heart. Remember, in the circle of God's grace, you are not excluded in God's mercy. You are all included. Continue to watch the screen of your television and pray along with the wise men. La Bible nous révèle dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, verset 1, que la foi est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, téléspectateurs que vous soyez, vous devez croire. Si vous croyez que Jésus-Christ est guérisseur, vous devez croire à sa capacité de vous guérir. Car si vous croyez qu'il est sauveur, vous devez croire à sa capacité de vous sauver. Et si vous croyez qu'il est libérateur, vous devez croire à sa toute-puissance de libération. Parce qu'il est la puissance, il est la vie, il est le chemin et la vérité. Rappelez-vous que c'est là que réside la base de notre miracle. Alors espérez simplement que votre cas n'échappera pas à l'onction de Dieu parce qu'il est venu pour l'humanité, il est venu nous sortir de cette situation déplorable à laquelle nous faisons face. Alors mettez simplement vos mains et croyez que son sang précieux a été suffisant pour vous sortir de cette condition, de ces tourments à laquelle vous faites face. Oh, téléspectateurs, confessez votre liberté, votre délivrance et croyez que votre cas n'échappera pas à l'onction de Dieu, que ce cas est déjà réglé. Alors marchez en nouveauté de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restez connectés avec nous, chers téléspectateurs. The Bible says there is power in our mouth. The belief in our heart is released by faith out of our mouth. Those who overcome Satan use the power of the spoken word. That is exactly what you are witnessing right now as the wise men in action using the name of Jesus in the spoken word to put Satan where he belongs. Whatever situation you're going through, viewers, do not be left out of the healing, deliverance, and blessing that is happening right here at the Synagogue Church of All Nations. Believe that what is happening here can happen anywhere you are. Just touch the screen and believe. Regardez votre compte, téléspectateurs. Nous voyons les œuvres maléfiques être exposées. La puissance de Jésus-Christ est
être en action à travers des hommes sages. Alors rappelez-vous que ce que vous témoignez ici, c'est le nom de Jésus-Christ que vous témoignez, n'est pas un mirage, mais simplement une confirmation de ce qui a été prédit par les prophètes des temps anciens. Parce que ceux-ci ont prophétisé, désiraient vivre cette ère de la démonstration de la puissance de Dieu en ce temps de la fin, parce que le monde attend la manifestation des fils de Dieu, autrement dit de ses disciples. Rappelez-vous que le monde attend à cette manifestation des fils de Dieu, parce qu'il équipe encore ses disciples, notre Seigneur Jésus-Christ. Il équipe ses disciples de détruire les œuvres des ténèbres et de proclamer cette délivrance et liberté aux captifs. Nous voyons ces vies venues de par le monde et puis plus lointain, parce qu'ils espèrent un changement radical vis-à-vis de leurs conditions, vis-à-vis de leur situation. Alors, téléspectateurs, sans la foi, il est impossible d'embrasser ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix du calvaire. Alors croyez que la distance n'est pas une barrière et croyez que votre cas n'échappera pas à l'onction de Dieu. Parce que cette onction, maintenant, ici en direct de la synagogue et des nations, est disponible pour vous sortir de toutes les traces, de toutes conditions que vous soyez, de par le monde. Confessez simplement votre liberté et marchez en nouveauté de vie dans le nom de Jésus-Christ. Restez connectés avec nous. Continue to watch your screen. Jesus still empowers his disciples to heal, to save and to deliver, and that is what you are witnessing right now. When God Almighty led the Israelites out of Egypt, he made a covenant of healing, deliverance, salvation with them, and that is what you are witnessing right now. You can see how God Almighty restoring people back to the original position in Christ Jesus. Viewers around the world, you too can be a partaker of what is happening here. Your problem does not paralyze Jesus Christ, because he has the solution. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The proof is what you are witnessing right now. Continue to watch. Viewers, don't just sit back and watch. You too should also get connected in spirit to what is happening right here at the Synagogue Church of All Nations prayer line. Pray along with the wise men and believe God for your own healing, for your deliverance, and for your blessing anywhere you are. Remember, millions have surrendered to their fears. They've surrendered to their situation while their hearts dream of a miracle. Don't let that happen to you today. Don't let that be your own case. Come in the name of the Lord into his presence. Reach out towards the Holy Spirit and receive your own miracle. Receive your own healing. Receive your own deliverance. Remember, the blessings are available. All you need to do is actively reach out and claim God's promises for your life. Gloria a Dios. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo desde la Sinagoga Iglesia de todas las naciones, en donde estamos dando básicamente inicio a este servicio donde los hombres sabios se están moviendo en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, como un canal de luz donde hay oscuridad, como un canal de libertad donde hay yugo y opresión, como un canal de sanidad donde hay enfermedad. Recuerde que la fe me recuerda que mis pecados han sido perdonados, por lo tanto, no tengo que preocuparme por estar casado por mi pasado. Recuerde que la evidencia de nuestro Señor Jesucristo son vidas cambiadas. En este momento, Jesucristo está en camino para suplir toda situación, todo padecimiento, toda enfermedad, llegar a su fin perpetuamente. Recuerde que como cristiano, creer instantáneamente es recibir instantáneamente, con una relación permanente, con una solución permanente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Abra su corazón a su fe, a su palabra y a su espíritu, y en unos momentos más vamos a presenciar este momento de libertad, de liberación de espíritus y sanidad en sus cuerpos a través de las facultades de los hombres sabios. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Sinagoga Iglesia de todas las naciones. Continuamos. Lorsque vous le reconnaissez comme le libérateur, lorsque vous le reconnaissez comme le pourvoyeur de toute bénédiction, alors il le fera encore et encore et encore et encore. Alors il n'a pas changé, il agit encore aujourd'hui par son Esprit Saint à travers des hommes disponibles. Rappelez-vous que l'onction de Dieu n'agit pas à travers des plans, des méthodes et des machineries, mais à travers des hommes disponibles. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, lui qui vit dans le cœur compatit. Parce qu'il est le seul qui peut nous sortir de toute détresse et de toute oppression maléfique. Alors, visiteur, faites-le simplement confiance et croyez que la distance n'est pas une barrière, que votre cas n'échappera pas à l'onction de Dieu. Restez connectés avec nous, car nous passons maintenant à la session prophétique avec les hommes sages. Nous allons témoigner cette présence tangible du Saint-Esprit, toujours disponible, parce que Jésus-Christ, le maître libérateur, est toujours en action. Restez connectés avec nous. All over your body, Holy Ghost. Over your body. Hey! 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 Jesus, save me. Where are you? Put it down!
How many of you? What have you done to her so far? What have you destroyed? Some please, yeah. What have you done to the marriage? Destroy that man. Destroy him. Open your eyes. Look at the man standing next to you. By your left. Who is it to you? Speak louder. Is that husband of his? Who is the man to you? Is saying? Yes, sir. Who is she to you? She's my wife. She's my family. Yes, sir. So now we've been having a lot of problems, sir. And since from the beginning of the marriage, we have been having a lot of problems. Can you speak louder, sir? I'm saying we have been having a lot of problems since the beginning of the marriage. There's always been a problem, and every time she would like to do things in her own way, she wouldn't even take my weight. Her weight must be a final in the marriage, and then I'll always have to listen to her. If I do the things, if I ask her that we must discuss things, then she wouldn't listen. Instead, she will cry and demand that we do things according to her. Open your eyes. What have you done to this man? I about him. I hate him. To the career of this lady. She's not gonna go anywhere. Speak louder. She's not gonna go anywhere. I destroyed the whole family. Is destroyed. What is happening to the family? Destroyed, sick, and sick. Stand right and talk. How did you enter her body? How did you enter our body? From Beth. This one. What else have you done to this lady and the family? Out! Out!
de cette femme, par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu passer des substances poisonneuses. Thank you, Lord, for our deliverance. Déclaré libre dans le nom de Jésus-Christ. Rise up in Jesus' name. You are delivered. Jesus, so you should make God's word a standard for this marriage. Thank and never you, remind her of what has happened. Thank you, Jesus. Otherwise, you will be tempted. Thank you. So you are set free, and she is set free. Declara libre en nombre poderoso de Jesucristo, en su nombre por su esposo y su matrimonio libre para Thank you, Jesus. Thank you, Lord.